Chers amis, bonjour. Laissez-moi aujourd'hui vous présenter un super tour de cartes. A tout de suite. Pour réaliser cet effet, je vais prendre un jeu de 52 cartes. Et je demande à un spectateur de mélanger les cartes. De couper. Et je lui fais choisir une carte, librement. Simplement, il prend sa carte. Il la montre au spectateur. La carte est remise dans le jeu. Le jeu est coupé. Et je lui propose de perdre sa carte un peu plus. Alors, pour cela, rien de plus simple. Quelques petits mélanges s'imposent. Le premier. Alors. Le premier. Le second. Et enfin, je propose à deux autres spectateurs de tenter leur chance à retrouver la carte du spectateur. Le premier s'arrête, par exemple, sur cette carte. Le second, on va dire celle-ci. Si nous regardons les cartes où se sont arrêtés les spectateurs, nous constatons quoi? Ici, nous avons un 10 de cœur et ici, un 2 de trèfle. Ce n'est pas la carte du spectateur. Ça n'est pas perdu. Nous demandons donc au premier spectateur qui avait choisi sa carte de couper le jeu où il le souhaite. Le jeu est coupé. Les deux cartes, les deux autres, sont posées face en l'air dans le restant du jeu. Nous proposons à un autre spectateur de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Au premier, au second, au troisième. Et quand il le souhaite, il s'arrête. Admettons qu'il s'arrête ici. Vous pouvez constater une chose, c'est que les cartes face en l'air sont quelque part dans un ordre que seuls les spectateurs ont choisi. Ils peuvent au dernier moment décider de recouper. Et à partir de là, vous êtes d'accord avec moi, ça change tout. Regardez, je ne triche pas. Je leur propose une dernière fois de refaire un dernier mélange. Donc, c'est parti. Voilà. Et voilà. Comme c'est joli, ça fait du bruit. Maintenant, si j'étale le jeu, nous retrouvons nos deux compagnons, mais cette fois-ci, en compagnie d'une carte en sandwich. Rappelez-vous, le premier spectateur avait choisi une carte. Vous vous rappelez de la carte? C'était quoi? C'était pas le 3 de cœur?